Good morning, good morning. Vous avez vu, j'ai un petit jardin. Ah bon, il est pas très entretenu, mais en même temps, je sais pas, il caille, il fait froid, ça sert à rien. Par contre, l'été, c'est le feu. Bref. Bon, pour le 5, c'est encore mon gars Olaf. Chez Sephora, c'est un gel douche, enfin une gelée de douche, qui s'appelle Ce soir, on sort, let's have fun. Elle doit sentir grave, non? C'est pas marqué. On laisse pas marquer le goût, j'allais dire le goût. La senteur, quoi. Et le 5. Oh, le 5. Et le 5, c'était une brush. Elle est mignonne, j'aime bien cette couleur-là. Oh, elle est douce. Truc comme ça me fait trop rire. Elle est douce de ouf. Et en plus, je voulais grave une brush de ce type. Pour mettre bien les highlighters. Je trouve que c'est mieux. Pour mettre le highlighter en flic. Ah, j'avais raison, regarde. Tapered highlighter. You know, your bitch is a genius. Bon, bah là, je suis en route pour aller chez Tamara pour bosser parce que, en fait, à cause de la grève, bah déjà, au show aujourd'hui, il n'y a pas pu y avoir Faudier ni deux personnes de OTB, donc c'est ceux qui sont derrière la caméra. Elle, bah forcément, elle est en stage avec moi, mais se déplacer. Que ce soit au bureau ou chez moi, c'est compliqué à cause de la grève. Donc bah là, je me rends chez elle. Comme ça, on peut bosser. C'est pas une maître de stage trop cool, ça. Bon, après, c'est aussi parce que c'est la famille. Mais donc là, je me rends chez elle pour qu'on puisse travailler. Et voilà, je vais passer avant chercher des colis que j'ai reçus chez mes parents. Très important. Et après, let's go to les lilas pour aller bosser. Bon, on a été récupérer les colis. Là maintenant, direction chez Tamara. Bon, là je suis chez Tamara qui a décidé d'ouvrir son calendrier de l'Avent de voir ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a, excuse-moi. Oh, c'est un anti-cerne. Un anti-cerne ou un gloss? Non, un anti-cerne, je pense. Oh, primer des yeux là, comme par hasard. Moi qui... Ouais. Ma tête est horrible, mais bon. Non, t'es super belle. Un petit primer. En plus, hier, j'ai recommencé à faire du make-up sur mes yeux. Du coup, là, j'avais besoin de ça. Donc, comme par hasard. Voilà, en plus, c'est la couleur parfaite. Donc, voilà. Du coup, je les range. Ah, tu les re-ranges à leur place à chaque fois? Oui. Oh mon dieu. Parce qu'en fait, je sais pas encore où je vais les ranger. Ah d'accord. J'ai déjà plus de place. D'accord. Donc peut-être qu'il faudrait que j'achète des boîtes, d'accord. Des choses comme ça. Donc voilà. Avant ça, on a bossé l'après-midi, il fait déjà presque nuit. Et maintenant, on va prendre des photos. Voilà, on fait une interview. Tu sais que le linge que vous avez mis là, c'est le linge que j'ai lavé à la machine. Nickel. Là, tout ça. Désolé, je savais pas. Non, t'inquiète. J'avais une moustache de... Il a fait les contours. J'avais une moustache de Mericano. Non, de Francky Vincent. Ouais, plutôt. Je l'ai enlevé. J'étais Francky Vincent il y a 10 minutes. C'est hardcore. Là, je suis juste Vincent. Je l'ai enlevé, Francky. No Francky, only Vincent. Yo yo, c'est Balou, Happy Bidet, Rap News FR, on est ensemble comme jamais. Turn up, 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 ça s'arrête jamais. Happy Bidet. La vidéo que photo. Tu m'as envoyée, c'est pas ce que j'ai demandé. Les coulisses des photos Instagram. En gros, moi j'ai demandé. Bon, j'ai été chez Sephora. Là, on vient de rentrer chez Sephora. Ouh! C'est le Black Friday, I know. Et madame Alicia Ray. Déjà, je vais prendre le calendrier de l'avant. Voilà, ça commence déjà. Elle a déjà un calendrier de l'avant, faut le savoir. Deux, c'est bien. Plus ça. Celui en chocolat que je lui ai offert. Oui. Ça fait trois. Ah. On peut faire un petit tour quand même. Ah oui, oui. Tu sais, Rihanna, s'ils ont le pack de tous ces gloss là-bas, là. Si, je le vois, moi. Après, peut-être il est en... Oh, 20% en plus. Aïe, aïe, aïe. Toi, c'est 45 balles, le masque.
on est actuellement à la caisse avec des millions d'articles. Non mais on a dit qu'on n'est pas sûr de tout prendre parce qu'il y a plein de trucs qui me manquaient et je pense que je vais commander sur internet après. Voilà. On va prendre les trucs dont on est sûr et pas les substituts. Comme ça, voilà, pour user de l'argent pour rien. Voilà. On est devenu économe, on n'est plus des acheteuses. Économe, parce qu'après, c'est pas 300 euros non, sur mais, internet. Non, mais comparé à avant, Alissa, là, oui, elle ouais. a fait des efforts. Genre, c'est plus acheteuse compulsive, tout ça. Là, c'est déjà beaucoup. Du coup, on est quand même un peu déçus parce qu'il n'y a pas tout. Genre, il n'y a pas les collections Fancy, Trophy Wife, tout ça. On aurait dû aller sur les champs. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté vite fait. Parce que j'ai acheté pas mal de choses. Donc déjà, ça que j'ai trouvé trop cool. Non, packaging trop beau. Et en gros, c'est un beauty blender avec sa protection. Genre, c'est pour pas en foutre partout, pour les microbes et tout. Et en gros, c'était 1€ de plus qu'un beauty blender normal. Donc j'ai trouvé ça lourd. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ces masques-là qui sont chez Sephora depuis un moment, mais je les ai jamais testés. Et à ce qui paraît, ils sont pas mal. Donc c'est le Shake and Shot. Donc ça, c'est un masque purifiant. J'ai acheté le même encore, mais hydratant, je crois. Ouais, c'est ça. Hop, qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore? J'ai acheté ce nettoyant visage qui s'appelle Aqua Bomb Jelly Cleanser. Donc c'est un nettoyant visage hydratant qui est super bien à ce qu'il paraît. Enfin, j'ai vu des bons retours sur ce produit sur YouTube. Ensuite, j'ai acheté encore des masques de la marque que ceux-là, mais d'un autre type. Donc pareil, un masque hydratant. Genre, je crois que t'as un petit mélange à faire. Tu dois péter le truc au-dessus, bim, bim, bam, bam. Enfin bref, faut voir. En plus, ça a gardé quand même 30 à 40 minutes sur le visage, hein, donc il doit être réel. Un autre pareil, du même style, mais là c'est un masque illuminateur, enfin bref, pour l'éclat du teint. Là c'est un autre masque, c'est marqué black powder, donc poudre noire. Donc c'est un masque pour les pores et c'est marqué resserre les pores, intensément hydratant et raffermissant. Donc à voir. Ensuite, j'ai pris un produit de chez Fenty Beauty. J'ai pris un highlighter. Attendez, je vais voir si je peux pas vous l'ouvrir pour voir si vous pouvez pas voir la teinte. Putain, c'est vraiment trop beau. Look at this. Un petit doigt pour vous. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est un produit de sa collection de Noël, je crois. Donc c'est un highlighter liquide. La teinte c'est Rolling Dice. Je déteste quand mes vrais ongles commencent à pousser sous mes faux ongles. Je trouve que ça fait crade en fait. Ça me stresse. Donc je n'ai pas les ongles sales. De toute façon je viens de sortir de la douche. C'est juste que quand mes ongles poussent en dessous là, je sais pas, ça me stresse. Enfin bref. Donc ça ressemble à ça. Laisse-moi rouler sur moi. Les gars, moi je claque des loups d'ouf. Oh mon dieu, c'est pas possible. Ça peut aller partout, ça en fait, en paupières, le corps, les joues, le crâne, tout. Trop beau. Bon, allez, il manque deux produits, mais pas les moindres. Mais après, bon, désolé pour les mecs qui regardent cette vidéo, hein, mais là, j'avoue, c'est une vidéo un petit peu pour ceux qui aiment le make-up. Mais en gros, c'est deux produits spéciaux Noël de chez Too Faced. Putain, alors déjà, et c'est ouvert. Je vous jure, je l'ai pas ouvert. La preuve, c'est tout neuf. J'ai même pas touché, mais je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est deux palettes. Donc la première, c'est celle-là. Elle est pas trop mignonne. Franchement, Let It Snow Girl. Donc voilà, édition limitée. Tac. Et en fait, on a une palette de le gros qui est là. C'est une palette de fard.
Ensuite, la moyenne, c'est une palette de blush. Et ensuite, la petite tête qui est ici, c'est une, qui est relativement grosse, hein, vous avez vu au final, alors que dans le dessin, je dirais que c'est petit. C'est un bronzer et un highlighter. Et après, en plus de ça, on a mascara Better Than Sex, qui est vraiment un classic shit. Mais franchement, c'est trop beau. Et j'ai pas envie de l'ouvrir maintenant. Voilà. Je pense même que je vais le mettre sous mon sapin pour faire pareil. Et ensuite, on a celle-ci qui est... Alors... Non, pareil, voilà. C'est une palette. Alors, le gros, là, ce qui représente le carré de la maison, parce que c'est en forme de maison, c'est des fards à paupières. Ensuite, il y a le dessus de la maison qui est ici, qui est encore des fards à paupières. Et puis, vous avez ici, donc, un highlighter, un bronzer et un blush, qui est le toit. Je crois que c'est le toit, hein. Et voilà, et là, bah, en bonus, on a une base de fard à paupières, un rouge à lèvres mat de la collection de Noël, les pains d'épices là, et encore un Better Than Sex. Donc, ça. C'est pas un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, vas-y. Bon, ok. Ok. Regardez. Elle est pas trop belle dans mon sac à main là. Je crois que je vais mettre ça en... sous mon sapin de Noël et tout. Je pense que je suis trop petite.